Au départ, ils étaient 10 à concourir à travers tout l'Hexagone pour le trophée Electis. Et ce sont finalement deux classes alsaciennes qui en sont sorties lauréates. Ce concours, lancé en octobre 2009, avait pour but la réalisation d'un projet sur le thème du développement durable et plus particulièrement sur l'efficacité énergétique électrique. Le thème est au cœur des défis qu'a affronté notre planète, à savoir trouver des solutions. Et là, sur le thème de l'électricité, sur son efficacité, comment faire en sorte qu'on réduise les émissions de CO2. En plus de respecter le thème demandé, les élèves devaient prendre en compte d'autres critères. Bonne économie du projet, innovation, créativité ou encore pédagogie. En revanche, la forme du projet était très libre. Ça peut être des prototypes, ça peut être des maquettes, ça peut être même des démarches de communication, de sensibilisation, ça peut être des sites internet. Donc au niveau de la forme des projets, elle est assez libre et assez large. Pour l'équipe de l'IUT de Mulhouse, une des classes lauréates, la forme choisie a été une maquette pédagogique et animée. Notre projet représente la maison d'un particulier sous forme de maquette. C'est une maison autonome qui s'auto-alimente elle-même en quelque sorte, avec par exemple une éolienne qui va produire de l'électricité, des panneaux solaires et photovoltaïques pour produire de la chaleur, ainsi qu'un système de géothermie, un système hydraulique et un système utilisant la biomasse. L'autre équipe, une classe de seconde du lycée des métiers du bâtiment de Cernay, a proposé quant à eux une maquette pédagogique d'une pompe à chaleur. Et pour ces deux projets innovants, chaque équipe se sont vus remettre un beau chèque d'une valeur de 2500 euros. Ce chèque va leur permettre de concrétiser leur projet, c'est-à-dire que l'année prochaine, ils pourront présenter leur projet totalement réalisé et en état de fonctionnement. Les projets seront présentés lors de la deuxième édition du trophée Electis en juin 2011. Le musée EDF Electropolis prévoit de renouveler l'opération l'année prochaine. Alors si vous débordez d'idées innovantes en termes de développement durable, n'hésitez pas à vous inscrire pour la prochaine édition.